bouteille là. Il y avait un litre ici. Moi, je suis obligé d'arrêter là, quoi. Voilà. C'est une grande réserve d'eau finalement. Voilà, oui. Alors au-delà, il y a plusieurs autres siphons avec des parties en écoulement libre entre chaque siphon. Donc on a quatre grands siphons en fait. Et puis dernièrement, c'est entre le siphon 1 et le siphon 2 que furent découverts un écoulement supérieur qui alimente la zone noyée avec des galeries plus imposantes dont la taille moyenne va être de 25 par 30. Et ça a été reconnu actuellement donc sur à peu près 3 km à l'amont de ces siphons. There are four siphons in this cave. And between siphon 1 and 2, there's another one, other gallery that collects the water. Ah ben, on peut pas demander les deux en même temps, non? La massette, c'est la broche maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ben on creuse. Dans des choses qui sont pas très intéressantes, enfin ragoûtantes du moins. Ah c'est... Ah c'est un envie, hein. Je m'en vais. Tu prends derrière. Parce que quand il y a de l'eau, ça coule un peu là. On en profite qu'il y a de l'eau pour gratter, parce que autrement ça colle tellement qu'on ne peut pas servir des outils. D'habitude. Au niveau des. Alors le but c'est de ramener ça là-bas. Ça, quoi ça? Ben, au fond petit à petit. Et puis ce qu'ils ramènent, parce qu'ils en ramènent du fond derrière toi là. Ah non, en fait. Hein? Ils en ramènent derrière toi. Ben, il n'y en a plus là. Ce qui est enlevé, c'est toi qui as assis dessus. Ah, c'est moi. Donc il faut enlever ça, puis il se casse derrière toi, quoi. C'est quoi en haut? Eh ben, là on est dans une faille. Oui. Et ça continue, et il y a un petit déport qui partirait au-dessus du siphon de sable. Et qui pourrait éventuellement jeter le chiffon de sable par au-dessus. Et combien de mètres, si, ça va? Oh ben là, on a déjà creusé 5-6 mètres, mais bon, il y a encore... Ils sont encore pas gros, quoi. On fait de la place sur les côtés, on enlève la roche, parce que la faille est trop étroite, creusée au milieu. Puis elle, au milieu, elle est remplie de terre, comme ça. Ah, voilà. Alors, faut déjà péter les cailloux de chaque côté pour enlever la terre au milieu, après. Ah, bon. Et puis là, au fond, c'est le même problème. Au fond, voilà. C'est la même chose. Là, bon, c'était bouché, là. Ah, c'était bouché. Bah oui, à Gilles, il y avait une paroi qu'on a pété, tu vois. Et puis même bouteille, c'était bouché. Là. Ah, ça colle, oui. Non, mais avant, c'était à toute heure. Hein? Avant, c'était à toute heure, là. On passe à 4 pattes, à tout. Jusqu'à où? Non, c'était à toute heure, là, à peu près. Là. Oh là là. On a déjà creusé un mètre, là, pour... Vous avez déjà bien travaillé, hein? Et puis là, il y avait une grosse lame, on passe à plein ventre dessous, là. Oh là là. Jusque là? Ah oui. On passe à plat ventre là pour se tortiller un coup pour voir la suite à gauche. Bon. Ça c'est tout descendu ça. Et personne n'oblige à venir ici. Hein. Faut le savoir. Ah non, c'est dans une feuille du travail. C'est gratuit. J'ai donné. Et même pas payé. C'est bien le faire. Mais faudra pas faire un barrage parce que la terre on ne pourra plus la descendre après. Il faut qu'on marche. Vous êtes le 7 neige plonge. Oui, le 7 de rouge. Lui aussi. Merde. Ah mais s'il y a un gros bloc au milieu, on va falloir le péter. Hein. On en aurait deux de toute façon, s'il y a plus vite. Hein. Ça c'est trop petit ça. On aurait deux fois tout comme ça, j'irais plus vite. Il n'y a plus d'eau. Ah ben nous, c'est pas de l'eau liquide qu'on a, hein, c'est de la soupe. C'est épais pour de la soupe, mais c'est... Et il y en a qui payent pour faire des bambous comme ça. Ah tiens, mais non, mais ils sont à poil dedans. On ne va pas s'en faire toucher des habits. Pas du tout obligé de m'ordonner. Il n'y a pas de soucis.
Ah, oh, pas plus que ça. Un petit peu, mais... Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quelque chose derrière. Voilà. Ça, ce serait bien. Parce que là, bon... C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Faites couler l'eau. Ouais, bah faites suer. Faites couler l'eau. Il y a plein de flotte et quand tu la plantes vers la gauche, tu l'enfonces complètement. Ah oui. On voit, hein. Voilà. On espère que... Ah ouais, comme ça, ça va effectivement beaucoup mieux qu'on est debout. Ça coule encore plus. Ah ouais, là. Allez, j'ai débouché le truc. Maintenant, ça coule plus. Oui, le truc, ça fait ça. On va finir noyé. Hein? On va finir noyé, ça. Quand t'as besoin de prendre un café tranquille. Voilà, là, il est sous le pioche. Voilà, c'est le pioche. Alors, Marguerite. Oui. C'est autre chose que d'aller sous l'eau. Oui, c'est aussi mouillé. C'est un peu plus sale. Voilà, c'est gadouilleux. Autrement, c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Viens regarder. Anthony, viens parler à la télé. Tu parles, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour entre jouer. Viens. Je suis en train d'apprendre à nager dans la boue. Je réalise un vieux rêve d'enfant. Et c'est chiant, en fait. Les rêves ne sont pas faits pour être réalisés. T'en remets un autre devant, puis c'est bon. Hein? T'en remets un autre devant, puis c'est bon. De quoi? Une fois que t'as réalisé celui-ci, tu pousseras un autre rêve devant toi. Oui, là, je le rêve, effectivement. Je suis en train de le pousser méchamment, quoi. Ah, bon. Et Marguerite. Oui, alors, c'est fini. C'est bien fini. Ça. C'est bon. Ici, on est dans les... On est ici où? Comment ça s'appelle? Siphon de sable. Siphon de sable, merci. Et qu'est-ce que tu fais dedans? Je veux rien voir. Tu as fait quoi dedans? J'avais semblé entendre du bruit. Ah, tu as entendu des bruits? Mais non, je pense pas. Non? En fait, je vais aller voir le niveau. Et en fait, il y a 20 cm d'eau. Ah, quand même! Ouais. Et ça va pas très loin. Non, pas dans les 10. Voilà. Ouais, puis il y en a qui sont au-dessus, qui sont flippés, ils sont au-dessus. Eh bien, il faudrait qu'il tape. Il m'avait semblé entendre. C'est pas possible qu'il tape un peu. Donc, il tape bien. Que qu'a-t-il semblé qu'il l'entendait en bas, au siphon de sable? Là, on est là où on a fait l'escalade. Mais 20 mètres avant la fin de la vallée des Épaules. On a fait l'escalade là, donc d'une dizaine de mètres. Ensuite, on est passé au-dessus de ce bloc-là. Ça passe au-dessus du bloc. Et puis, tu vois où l'eau vient, on est monté là-haut. Il y a comme une escalade d'une douzaine de mètres après. Là? Voilà. Et on a trouvé l'endroit d'où vient l'eau qui est foutue. Ah. Et donc on a retenu une galerie à plat, donc en améliorant. On a fait 7 mètres dedans. Et au fond, ça bougeait, il y a un bout, tout l'eau a mis. Il y a vraiment des fonds. Et il y a c'est le chef en l'eau. Il y a de l'eau qui est trop. Donc on est monté là, on est passé là-haut dessus. Hop.
Et là, on est sur des montées d'une de 12 mètres, 3 mètres là. Ah ah. Et ça coule toujours là? Hein? Ça coule toujours? Non, ça coule pas toujours. Quand ça coule au fond là-bas, là, ça coule là aussi. Alors, l'eau vient de où? L'eau vient de la galerie à la Mimor qui est au-dessus du puits, qui est au-dessus de la vieille d'eau d'ici. Quoi. Uh-huh. Là en tout, on a 10, pas loin de l'eau, à peu près 22 mètres au moins, par là. Le point haut, des planches, la grotte des planches, il est là-haut. 22 mètres à peu près au-dessus de l'eau où on est. Et ça coule l'eau jusqu'à là. Donc ça, c'est ce qui fait l'eau qui coule, qui vient de chaque côté là. C'est la seule arrivée d'eau qui est. Là j'ai mis des cailloux parce que ça faisait beaucoup de bruit l'eau quand j'étais à la place. Ah. J'ai mis des cailloux pour casser le bruit. Là j'ai fait des cailloux pour la descendre ici quand on a agrandi là-haut. Quoi. Ah ça. Quand on a agrandi là-haut, oui. On a pété les cailloux pour les enlever, donc on les a tombés. Puis on a fait pareil au-dessus du deuxième puits. Ah, ça vient de là. Oui, il est de tout au-dessus de la côte, là. Ouais, Il y a deux passages à l'époque, on a agrandi un peu. Tu vois. Tu prends une douche. Alors, tu es propre et tu peux aller travailler. Ça dépend, hein. Tu vas travailler maintenant. Ouais, c'est bon. Alors, on se voit plus tard. Ok, à tout. Au revoir. Vous êtes fini? Tout le monde, oh, on commence. Les premiers. Froid de monde, juste au bon nombre. Froid? Ah, mais je ne vois pas en faire, je ne vois plus du tout. Donc tu prends le juste pour regarder t'es rien. Ah oui. Merci. Hop!